Bon, ton mime me dit que c'est l'acné du nourrisson. J'espère que c'est ça, parce que du coup, si c'est ça, ça part tout seul. Mon pauvre petit poulpine. Il dort. Depuis l'ostéo, il dort vachement mieux allongé. Je peux le laisser. Hier soir, j'ai réussi à le faire dormir 2 heures dans son lit, dans la chambre. Après, c'est parti en couille, mais bon. Après, c'est pas passé. Mais du coup, par contre, je l'ai récupéré, genre, il a bu le biberon à minuit. À 1h30, 2h, il voulait plus rester dans son lit, du coup, je l'ai pris. Il s'est réveillé à 5h30. Il a presque fait une nuit complète. Espérons que ça dure. Et là, il dort tranquille. Michou, Minou. Au niveau des conseils que j'ai reçus pour l'acné du nourrisson, parce que j'ai des mamans qui m'ont demandé de partager les conseils que j'ai reçus, je ne veux pas vous induire en erreur et je vais moi-même demander à ma pédiatre, avec qui j'ai rendez-vous la semaine prochaine, avant de faire quoi que ce soit, faites de même, mais au cas où j'ai eu des conseils totalement contradictoires, donc j'ai eu bien hydrater la peau, j'ai eu ne rien mettre sur la peau. J'ai eu mettre du cicalfate, j'ai eu nettoyer à l'eau, sérum fille, j'ai eu ne pas faire de bain tous les jours pour pas. Enfin, bon, j'ai eu tout et son contraire. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il ne faut rien faire, très honnêtement, parce que ça part tout seul. C'est le conseil que j'ai eu le plus. Mais au cas où, demandez à votre pédiatre. Je pense qu'il sera plus à même de vous informer. Voilà. Tu nous surveilles, mon gros. Tu déjeunes avec daddy et maman? Oula. Très content d'être là. Oh, purée. Manifeste ta joie. Ouais.